Bonjour, bonsoir, c'est jeudi, et jeudi 22 juin 2023. On salue nous depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC, on vieux Freddy là, on va cap souffler là, avec fin habitué à soleil. En tout cas, nous allons aller, nous allons appeler là pour nous dire ça cap domine l'actualité. Monsieur Dimontas Baltazar, n'ap salio, koto ya tout. On bien content que vous branchez là avec nous là et on va garder mon pour nous déraper là. Mais nouvelle d'abord on va continuer et tu fait bouler entre la Russie avec l'Ukraine et Ukraine la Russie dit li stopper ou bien encore li détourner. Quelques appareils téléguidés semblaient que l'Ukraine était larguée la Cali, ça s'est passé dans la ville de Moscou. Donc, il dit qu'il est détourné, mais l'Ukraine lui-même dit qu'il travaille là pour l'Ouest, c'est capable de prendre le contrôle. Le territoire est perdu, non, mais l'Ukraine. Le territoire est perdu, qui est là aussi pour prendre la bataille là. Donc, après, il est capable de prendre le contrôle et territoire ça. Bien tout m'a salué tout le monde qui montait là, madame Mariela, madame Falange Auguste, m'a salué qui branchait depuis République Dominicaine et toute équipe là non là bien a boulé Freddy arrête là m'a c'est qu'elle me prend la rue là oui bonsoir madame Mariela et qu'elle me prend là madame Jean-Baptiste salutations pour vous tous. Et on a dit, monsieur Valéoli, il a gagné nous, mais un petit coup de fil avant nous. Il a gagné nous, deux bras avant Dieu. Mais n'a pas tenu tout. N'a pas tenu. Nous connaissons la vacance. Et alors, actualité a gagné un premier ministre indien, et monsieur Modi, qui aux États-Unis. Et bien, matin, monsieur était rencontré avec le président américain et Joe Biden. C'est une belle rencontre, mais c'est une rencontre qui est basée surtout sur le commerce. Mais les relations entre les deux pays, on a fait que l'Inde considère qu'il y a une plus grande démocratie au monde, ces pays côté au monde. Donc c'est une rencontre qui est chita surtout sur l'affaire commerce, affaire, l'autre question qui est d'intérêt général entre deux pays. Et puis, course contre la montre pour essayer de sauver 5 millionnaires. Mais milliardaires qui étaient dans un sous-marin qui t'a pas regardé épave et Titanic là rappelle que chaque monde en dans et t'a pas ça et ben il t'a payé 250 000 dollars pour voyage là mais qu'on y a là voilà tourné mal parce que depuis dimanche là et bateau en fait et sous-marin ça il était perdu contact avec un autre bateau qui était en l'air qui était sous de l'eau. Et bien, qu'on y a ces courses. D'après Sagat Kote dit, jeudi à même à 7h du matin, oxygène, quantité d'oxygène qui était gagné pour que les gens aient envie de respirer, et bien, quantité d'oxygène a fini matin vers 7h du matin. Parce qu'en principe, si à part ça, il y a une capacité 96 heures d'oxygène. Donc, là où tu as parlé depuis dimanche, jeudi à jeudi. Donc, ça veut dire que pas ta gain, mais quand même, guéchoir quand même, parce que encore une fois, et fouille qu'a fait, gon objet, que vous mettez en bas de l'eau, un véhicule calé, et il dit que il joue un débris, tout près bateau Titanic, là. Il joue un débris, donc débris, en l'air pour y aller analyser, pour est-ce que ces débris apparaissent, ça, que c'est couru, si de tous côtés, en France, États-Unis, Canada, gon coucou, si fait pour essayer ta, retrouver à part là. Mais puis le monde dit est-ce que c'est à part là à chercher ou bien est-ce que c'est Mounio à chercher ou bien est-ce que Mounio c'est parce que c'est millionnaire qui fait tout et fait ça à fait. Mais en général, les gens de catastrophe ça arrive, toujours gagne il faut ce coup qui fait pour essayer ta cava et ta et porter ce coup à monde ça qui en a besoin. Donc c'est pas question pas là. Bon appareil qui en bas de l'eau, qui c'est monde qui là dedans et qui besoin d'assistance et c'est fort ça qu'a fait qu'on y a pour cet agent bateau cet agent et c'est passagers ça qui ont des techniciens qui d'abord apparaissent là et bien l'autre nouvelle
nouvelle qui gagne tout sous question appareil ça. Eh bien, jeudi après-midi à 4h, pour on conférence de presse à 3h. Donc, mes amis, branchés pour nous connaître ça qui dit, qui nouvelle nous parle, est-ce que nous parle une bonne nouvelle ou est-ce que nous parle une bonne mauvaise nouvelle concernant ou recherche qu'a fait concernant et bateau. Mais jeudi à c'est à dire délai ou bien encore dernière date côté que quantité oxygène qui permet que t'a permet que mon équipage respirer. Eh bien, quand c'est ça, il n'y a pas de gain encore. Et c'est jeudi à 6h. Et d'après ça, 4 côtés dit, il a laissé à 7h du matin. Et d'après la prédiction qu'il fait, 7h du matin, pas de gain encore. Oxygène. Donc, nous connaissons qu'en bas de l'eau, sous bague d'oxygène, nous avons sa capacité, etc. Donc, mais il y a un nouvel appareil qui est allé. Il dit que je ne tout prie pas. Et Titanic, il y a un débris. Débris ou bagaille qui t'assemble. Mais on va dire que c'est bateau, non, on va dire que c'est sous-marin, non. Mais il dit, il y a un débris que après la dit pour est-ce que c'est même appareil ça ou est-ce que c'est l'autre bagaille? Tout comme tout son retour, son dit que tu étendais hier, tu étendais de son, etc. Alors les experts disent que son voyage est plus bien en bas de l'eau que dans l'air, que en l'air. Et il y a plusieurs raisons capables, il y a plusieurs façons sont capables de faire en bas la mer. Il n'y a pas forcément besoin de ces mondes, il y a des objets, qui en bas la mer, qui poisson, tout capable bon bail, qui capable sont capables bail. Mais comme il n'y a pas qu'on est à faire analyse pour eux, mais il te dit que tu as un appareil, tu vois, tout appareil là, tu tourné négatif, il n'y a pas de jeune, effectivement, tu gagnes. Donc, n'a pas vu, n'a pas croisé de l'autre, nous pourrons ça qui va passer. Dans l'autre programme de mine actualité, nous pourrons aller rapidement, n'a pas dit. Nous avons une nouvelle pour aujourd'hui, nous parlons de rencontre premier ministre indien avec le président américain. Joe Biden, eh bien, nous parler avec l'autre nouvelle. C'est grand compte premier ministre haïtien Ariel Henry qui trouvé à Paris côté la participer dans sommet financier et alors profite de rencontrer avec le président et Union africaine, il rencontre avec UNICEF et PAM. Donc très certainement discuter situation pays d'Haïti et de sa rencontre en marge avec sommet et un secrétaire chef d'État et chef de gouvernement que sous initiative la France qui a fait donc le ministre haïtien Ariel Henry l'y invité parmi les invités etc. Donc alors premier ministre je dis à tout dans Washington gain 53e assemblée générale et organisation état américain qui a déroulé certainement dossier Haïti a li nan centre calendrier discussion yo na CSC nan ki mesure k ap vini avec information pour sou sa k'ap di mais son première session plénière là était surtout basé sur hommage que délégué yo bien mon ministre affaires étrangères yo rend by et ancien président américain Jimmy Carter travail qui était fait depuis l'élite président, qui ça l'a accompli, qui ont été aidé pays en région et qui ont été établi démocratie, etc. Et puis, ça qui vient encore, on a l'autre nouvelle encore qui est bon, qui pendant que tu as parlé de l'Assemblée l'OEA, qui est censée déraper, et nous avons tout pour nous parler autour de Canada avec République dominicaine. Nous connaissons que Canada est sorti avec un note pour te dire que pour aller ouvrir un bureau et en République dominicaine pour aider police nationale là République dominicaine téléphone kif nous pas connaître ça nous pas reconnaître lui nous pas jamais discuter par ça Canada nous pas d'accord et on candidat à la présidence qui c'est Maïsa Santiago qui dit qu'il n'est pas d'accord par ça et que nous pas jamais discuter par ça avec Canada etc. Eh bien les grandes nations ont entendu eh bien Canada ont jamais plié le fond bac. Il y a l'état à dire, République dominicaine, mon cher, excusez-nous, nous étions trop brutal la façon qu'on était approché de ce eh bien, finalement, depuis qu'on est d'accord, qu'on y a travaillé ensemble pour assister Haïti pour Haïti et des têtes. Donc, Canada, il y a d'accord qu'on y a que, ok, bureau capable ouvert, l'ambassade Canada en République dominicaine, tout comme tout capable ouvert, l'ambassade d'Haïti, l'ambassade Canada en Haïti, République dominicaine dit que, li d'accord pour porter collaboration pour porter support li met ensemble à Canada pour assister Haïti dans l'effort l'a fait pour aider tête li soutien en crise. Donc deux pays sont sur notre amical
qui dit bon ok, nous d'accord pour nous traiter des travaux ensemble pour nous aider à Haïti. Ce qui passe, c'est que depuis 2015, que le problème Haïti, c'est le problème PAL. Les bails n'ont pas bon Haïti, c'est lui qui a payé conséquences parce que c'est là qu'il tout pour y aller, sont traversés. Donc, même si 2015 dit la construction muraille pour séparer Haïti jusqu'à la muraille, pour que Paris arrive trop loin. Donc, en attendant, il y a des bails passé. Donc, ça c'est que le Canada, donc d'accord pour travailler ensemble pour aider Haïti, résoudre ses propres problèmes. Donc, il y a d'accord pour aider. Et puis, dans Jimani, alors, soldats militaires dominicains, il y a arrêté 65 Haïtiens qui ont vu dans Jimani de façon illégale, irrégulière. Alors, on parle de Jimani, si on a un qui part en République dominicaine, Jimani se trouvait dans la direction S par rapport avec Croix des Bouquets. Donc, dans l'Ouest 2, donc l'assaut de Port-au-Prince est peut-être à moins d'une heure de temps en voiture. C'est pas plus facile pour aller en République dominicaine ou traverser l'île. Et donc, il a arrêté. Il n'y a pas dit si vous retournez en Haïti ou bien est-ce que ça va faire avec eux. Mais au moins, le journal dominicain El Licindiario est mentionné et l'arrestation ça qui fait côté arrêté pour illégal. À cause du illégal dans la ville là. Alors, c'est une ville frontalière qui, avec du côté Haïti, c'est mal passe. Et du côté dominicain, j'ai imaginé deux villes frontalières qui viennent là. Ok, oui. Et puis, ça n'a pas besoin encore. Et puis, il y a la justice. La justice en Haïti prend décision. Juge qui tape et juge qui sont les juge Martel Jean-Claude. Qui était instruit dossier corruption que l'ULCC était référé à la justice, et bien, il prend décision et il voyait deux anciens sénateurs devant la justice. D'abord il voyait un côté, et juge la voyait ancien sénateur Yuri Latorsu devant un tribunal criminel pour la juger pour détournement de biens publics. Et puis, nous avons dit que l'ancien sénateur, c'est l'ancien président du Sénat, c'est un investisseur, etc., qui a une entreprise, côté M. Abonze pour tout. Ok, parce que M. était mêlé dans le bagage, je jeune que c'est était président du Sénat, donc il était fait un moment, je un contrat, il était recevoir un chèque. Donc, comme ça, il était maman de 80 ans pour maman pas qualifié d'après le rapport ULCCT dit. Maman ancien sénateur pas qualifié pour le job que tu as lié. Mais il trouvait que les chèques, il n'y a pas de gens à le déposer sur compte non maman sénateur, ancien sénateur, comme chèque pas d'aller me déposer. Sur un total de 8 chèques, gagné, c'était 8, si je ne me trompe pas, dans bon chiffre, la vie bien. En tout cas, c'est un seul chèque. Suite chèque est déposé sous compte sénateur personnellement et un seul chèque t'as déposé sous l'autre compagnie et son compagnie de sécurité que sénateur a possédé. En fait, sénateur lui a attendu les dossiers ça a été sorti, il était sorti en grand pompe, il défendit et il était montré, ils sont routiniers, c'est normal et par grand côté qui dit que au moins doit bah un monde délégué ou bien mettre un monde pour gérer on sait des bagailles donc pas de gain qui était mal que le fait. En tout cas dossier en main la justice Kounia parce que juge la rend verdict li et Kounia y ouvre le sénateur devant et le tribunal criminel et il t'assemblé sans assistant jury. Et nous avons correspondant nous Renan Toussaint c'est après ce dossier ça et nous t'a cherché au Sénat car une réaction sénateur pour le dire ça le penser et est-ce que décision en balle j'ai définitivement dit que lui-même pas ni pas fin avec pas ça mais qu'on y a combat là parler devant la justice qu'on y a et sans balle marcher là il t'a semblé si la justice prouver que sénateur a fait son bail qui pas ça. C'est un ancien sénateur capable d'aller en prison et c'est un ancien président sénateur qui est capable d'aller en prison. L'autre dossier, l'autre sénateur lui-même, c'est ancien sénateur Joseph Lambert, qui lui-même tout c'était dernier sénateur
et dernier poste et petit groupe sénateur qui était dernièrement yo et ben c'était président sénat et je crois que ça fait deux ou trois fois qu'il était président sénat et ben tribunal là et juge là voyez sénateur tout devant tribunal correctionnel. Alors nous même qui avocat qui a un terme légal on va dire qui différence gain entre devant tribunal correctionnel avec devant un tribunal criminel qui est si plus grave que l'autre. Mais alors pour le tribunal correctionnel là c'est lui-même c'est pour obstruction à la justice ou bien encore entrave à la justice. Moi nous terme yo nous même qui expert dans le domaine nous va discuter nous va dire qui ça veut dire. C'est pour entrave à la justice. Donc entrave à la justice ça veut dire que c'est comme d'agadoul coucher en quoi et ou bien pas les collaborer ou bien encore les empêcher juste à fonctionner les travail. Donc deux anciens sénateurs ça c'est résultat et ça fait partie du dossier et résultat ou bien encore et recommandation ULCCT fait et concernant et recherche en démarche que institution ça agence l'état ça l'a fait dans cadre lutte contre la corruption etc ou bien voilà et mais ça me dit non. Eh bien, donc nous allons regarder pour nous. Et puis dans la ville Cap-Haïtien, la police débarque dans bidonville, ils écrasent un paquet de caille. Et nous demandons au journaliste Gérard Maxino qui raison que la police va l'écraser de caille. Alors Gérard Maxino dit non, que c'est parce que la police dit que caille ça, ou bien Kati ça, ou bien encore bidonville là, c'est là. Les gangs armés au caché, puis ils ont fait. Là, nous demandons si les gangs justice là, juge de paix, constate fait, etc. Ils ne pas connaître. Bon, nous avons essayé d'entrer en contact avec au moins porte-parole de la police nationale nord, là, dans le Cap-Haïtien lui-même, qui est capable peut-être de raison, bien fondée de décision pour venir pour raison que vous crasez Kai et les gens qui vivent dans la bidonville, c'est là. Et qui ça encore et puis l'école pour mon qui était ça l'école a ouvert le 11 septembre ouverture officielle ça c'est décision ministère d'éducation nationale point mais l'école a ouvert le 11 septembre donc nous gain juin là pour commencer préparer nous et commencer dégager nous acheter livre acheter ça à faire parce que l'éducation nationale vient en programme qui est le livre unique que on va commencer à distribuer, je sais pas déjà commencer à distribuer déjà mais en attendant et raté qui est gagné dans la saison scolaire et 2022-2023 et surtout dans l'école d'état à côté professeur était en grève soit parce que pas nommé yo il y a un groupe professeur il y a l'autre groupe qui dit que l'état va payer yo même le ministère de l'éducation nationale dit pas deux personnes. Mais ils disent que pas payé. Et qu'un autre professeur a protesté pour l'autre bagaille, pour 4 débits, pour de différentes raisons. Donc c'est une année que l'élève était obligé de prendre la rue, à manifester dans la rue, à manifester pour demander que l'école ou bien pour demander professeur retourne en salle de classe. Et l'éducation nationale lui-même tout à côté parle tellement vrai parce que tellement parle d'examen officiel. Eh bien, et le ministère de l'Éducation nationale est obligé qu'on y a organisé un cours de rattrapage au niveau national. Et le cours de rattrapage, ça, c'est qu'il fait les samedis à les dimanches. Côté élèves qui étaient perdus de classe, qui n'ont pas de l'école parce que le professeur est en grève, eh bien, les élèves sont obligés de prendre un cours pour essayer de combler les lacunes, pour être capable d'aller dans l'examen officiel de l'État. Donc, et nous connaissons. Même les bah là, l'école n'a pas fonctionné en ligne. Le ministère de l'Éducation nationale, on l'a essayé. Mais c'était un pas, le ministère a dit carrément, parce qu'il n'y a pas de gain. Même si on a un ordinateur de la carrière, ou pas un courant. Même l'autre a gain. Et on va au téléphone, tu as gagné sur le téléphone tout. Mais il faut une minute. Il faut une minute, ça veut dire qu'il faut 4 téléphones sur le téléphone. Et le programme, ça, il n'y a pas tellement parlé de l'histoire, alors que y a moyen. Les écoles qui ont moyens, ou bien encore les parents qui ont moyens, qui mettent l'école, petit dans l'école qui a les moyens, bon, élèves ça, ils ont un avantage parce que même ils ont une technologie, ils ont accès à un ordinateur, ils ont accès à un laptop, ils ont accès à un téléphone intelligent. Donc, même l'école travaille à distance, donc ils travaillent en ligne. Mais ce n'est pas fait pour
petit Joseph par exemple, monde qui habitait dans ces zones défavorisées, donc il y a pas accès à ça, donc c'est certainement qu'on des avantages et l'école a de même chance pour tout le monde. Donc on sait des questions qui sont à poser que on sort des à syndicats même demander pour qu'on protège ça, on sort de remise en question pour l'école à ta fonctionner on l'autre gens et pour permettre que tout le monde ait accès à un bail. Mérite encore problème enseignant parce que enseignant pendant longtemps il était en grève, et puis pas de nouvelles vraiment pour ou bien si des nouvelles n'a fait me connaît sous et ancien président et président et conseil électoral provisoire Pierre Lyopon que Negame était kidnappé avant hier. Donc pas il savait pas de nouvelles et pas non pas tant de tellement gros bagages qui go actuellement sous ça qui ça cap passer exactement et sous ancien responsable KEPA. OK. Donc mon cher Barré dans le livre tout ça écrit à Ougelé qu'on bon bah là même Barré dans le livre parce qu'il passe trop rapide et j'aime pas Barré. Voilà, et puis je dis à Nabgui, on parle de ce UNICEF lui-même tout qui continue à lancer appel pour demander assistance pour Timounio qui n'a gros besoin. Oh, Abdon lui-même, comment il est? Après l'homme, il a besoin d'avoir. Il a besoin de parler. Et puis, dossier sénateur, ancien sénateur, il a eu l'attention avec Joseph Lambert, qui est un sénateur de la Tibonite. C'est une très décidée politique tout parce que le sénateur La Tortue gagne une partie de AAA, alors que le sénateur Lambert gagne ses combits ou bien il gagne un regroupement politique qui est Jacques Mel lui-même, qui est dans le sud-est. Donc c'est un sénateur sud-est avec un sénateur La Tibonite. Donc, et tous les deux étaient pris en Sénat dans une période donnée et peut-être. Une fois pour sénateur La Tortue, quoi, mais on connaît au moins sénateur Lambert, qui est président Sénat pendant deux fois. Et dernier type au Sénat, qui est un dimanche là, dans dernièrement là, c'est sénateur Lambert qui était dans la tête. Voilà, c'est de ce qui est de comme sa situation de et puis, pour le ministre Ariel Henry, lui-même, il trouvait en France, côté qu'il a participé dans le sommet, et soit fait finance, ensemble avec chef gouvernement, en cinquantaine. Chef d'État, chef gouvernement, c'est sous initiative président français Emmanuel Macron. Et puis, si Washington gagne 53e Assemblée générale et organisation d'État américain, qui l'ouvre aujourd'hui, et dossier Haïti, parce que c'était un groupe de travail sur Haïti dans l'OEA, que nous appelons que Trinidad était dans la tête, eh bien, très certainement, dossier Haïti a figuré dans le calendrier. Et très certainement, il y a Nicaragua, qui a un calendrier de discussion, il y a Venezuela, qui a un calendrier de discussion, et puis de ce Haïti. Et puis, sélection nationale Haïti, n'a pas une sélection nationale masculine, qui était en préparation dans Miami, et pratiquement, monsieur fini la préparation, il a joué trois matchs amicales, il a remporté deux victoires, il a fait un nul. Et alors, ça montre deux victoires remportées sur deux équipes qui parlent vraiment pour la sélection nationale haïtienne. Mais l'équipe qui parle, l'IA, c'est Trinidad et Tobago. Au match qui reflète la réalité, Haïti fait match nul. Donc, on a pratiquement Haïti tadoué sous route, s'il n'est pas arrivé déjà. Et pour aller à Houston, Texas, côté le poil du premier match, li, et avec l'équipe catalane. Pro Qatar, qui était invité dans l'édition 2021, est arrivé dans la demi-finale. Il perdit devant les États-Unis. Eh bien, mes amis, pensez ça. Ça et réfléchis pour nous, non? Pour les matchs, premier adversaire Haïti, aller le Qatar, et match a vu le 25. Et VOA que la sur place. VOA que la sur place. Et puis, côté fatigue brésilien, nous sommes là, nous ne disons rien, ça nous dit. Hein? Ah ouais? Nous sommes là, nous doucement, nous ne parlons pas, nous ne faisons pas bruit. Après, racler que la sélection nationale du Brésil là, prend en main Sénégal. 4-2. Nous mettons 10 janvier, 10 janvier. Nous sommes là, nous ne disons rien, nous ne disons pas un mot. Mais si c'était calé, nous avons calé, nous avons dansé, nous avons parlé, Alors, mes amis, nous ne disons rien sur ça, non? Mais je dis que fanatique, brésilien, les balles ne sont pas bon, tout le monde dit pas bon.
et l'équipe là était là. L'équipe là, nous pas qu'à dire nous pas de jouer un tel pat là. Tout le monde était là. C'est Brésil. En tout cas, 4 à 2. Je connais quelqu'un qui va me connaître. Bon, je dis tout le monde, bonsoir. Après, Pita, dans le programme de la télévision, quand nous parlons de grand pour cap de mini-actualité, mais en Haïti, je dis à ce cap de mini-actualité, c'est décision juge Martel et juge Martel Jean-Claude Point pour lui voyer devant le tribunal de ancien sénateur. Et c'est le sénateur Yuri Latortu. Et puis, ancien sénateur Yuri Latortu, ancien sénateur. Joseph Lambert. Il peut aller devant le tribunal criminel, c'est le sénateur Yuri Latortu. Et l'autre là, donc le sénateur Joseph Lambert, et bien lui-même, il peut aller devant le tribunal correctionnel. Donc nous-mêmes, nous avons fait la différence et nous avons dit qui ça savait dire exactement. Et puis nous rappelons que deux sénateurs, ça et tout, ils sont en bas sanction. En bas sanction, tout, que ce soit en bas sanction Canada et en bas sanction. Et États-Unis tout pour manquer mélange pour soit support à bail négamé ou bien négamé en Haïti. Permettez-moi de dire, allez, attendez. Bonsoir tout le monde, on va aller plus tard. Mais Fred, mangez, ça va faire ça. Fred Kaimi, juste nous laisser, il a voué tout à bon et bon ici, il dit moi manger. Oui, moi manger, ça va faire. D'accord. Passez bonne journée, on va aller vite.